To our
Fatidique rencontre entre Kane et Moebius. Moebius se faisait alors passer pour un charlatan volubile, proposant de mystérieuses prédictions à des visiteurs crédules. Mais sous ce masque de foire, se cachait le grand maître du temps, le grand manipulateur du Cercle des Neufs, un cruel personnage qui avait le pouvoir absolu de se jouer du temps. Il avait été assassiné par Kane des siècles plus tôt. L'antre était ensuite resté à l'abandon. Certains pensaient que ce lieu n'était qu'une façade, cachant une structure bien plus complexe. Je sentis que Kane n'était pas loin. À cet instant, je serais allé le chercher au plus profond des ténèbres de l'enfer. Je supposais qu'il s'agissait de Moebius, le grand maître du temps en personne. Kane, dans le récit de ses exploits, avait décrit un personnage de stature plus imposante. Il est vrai qu'il dégageait une aura glaciale, laissant deviner son immense puissance. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
arrivé dans ce monde pitoyable? Quel tour me joue-t-il? Non, Raziel. Il ne s'agit pas d'illusions, mais de visions des tours et détours du temps. Ces apparitions me troublent. Tout était donc écrit? Impossible. Tout ça n'est qu'une illusion, j'en suis sûr. C'est que croire. Cette rencontre arrivera-t-elle dans un instant ou dans un siècle? Que signifie cet épisode? Kane s'imagine donc que je suis assez crédule pour croire d'aussi grossiers mensonges?
S'agit-il d'un jeu de mon esprit ou de la réminiscence d'événements à venir? Je dois dire que tu me déçois. Je pensais te voir arriver plus tôt. Cela t'a-t-il posé problème de tuer tes frères? Cela t'a-t-il posé un problème de me faire jeter dans les abysses? Non, j'avais foi en toi. Je savais que tu étais sûr de toi et de ta haine. Mensonge, tu n'avais pas prévu tout cela. L'éternité est implacable. Il y a des siècles de cela, lorsque je mis pour la première fois les pieds dans cette pièce, je n'avais aucune idée du pouvoir de la connaissance. Ah, connaître l'avenir, voir son sentier sinueux parcourir l'infini. Jamais je n'aurais pu, en tant qu'homme, approcher ces vérités interdites. Mais nous sommes maintenant des êtres supérieurs. Traversant librement les sphères du possible, te rends-tu compte que nous sommes devenus des dieux? Ah, en tant que tels, nous sommes indivisibles. Tant que l'un de nous existe, nous sommes légion. C'est pourquoi, lorsque je dois sacrifier mes enfants, je peux le faire en mon âme et conscience. Tu es un vrai poète, Cain. Mais finalement, tout cela ne sert qu'à justifier tes horribles crimes. Ce lieu offre la science à qui sait se montrer patient. Trop pressé de me trouver, tu n'as sans doute pas été assez attentif. Tout est écrit. Moebius a prédit mon avenir il y a 1000 ans de cela. Nous ne sommes que de pauvres pantins, jouant les rôles que le destin nous réserve. Nous sommes irrémédiablement condamnés à parcourir les chemins tracés pour nous. La liberté n'est qu'une illusion. J'ai trouvé le tombeau des Séraphéens, Cain. J'ai dévoilé ton terrible secret. Comment as-tu pu transformer ces prêtres en vampires? Aurais-je pu ne pas le faire? Il faut savoir se rapprocher de ses amis, mais plus encore de ses ennemis. Tu ne vois donc pas l'absurde beauté de ce paradoxe? Les Séraphéens et les vampires ne font qu'un. Malgré nos guerres saintes, la lutte pour la domination des Nosgoths. Nul n'aurait pu mieux me servir que ces prêtres, dont la passion transcende le bien et le mal. Je n'approuverai pas ta cruelle hérésie. Les Séraphéens étaient des saints. Ils protégeaient Nosgoth contre ceux de notre espèce. J'ai ouvert les yeux, Cain. Cette non-vie que tu m'as imposée à mon corps défendant n'a rien de noble. Ha, tu connais ton passé, mais tu n'y comprends rien. Tu t'imagines que les Séraphéens étaient nobles et altruistes? Ne sois pas si simpliste. Leurs intentions n'étaient pas plus louables que les nôtres. Tu te perds dans les méandres de ta morale relativiste, Cain.
Tant de fantômes, de visions. Quel est ce nouveau jeu? Le jeu du destin, mon enfant. Et maintenant, ma patte secrète! Le lieu ni le moment de la scène finale. Le sort nous réserve d'autres surprises avant de nous dévoiler l'ultime dénouement. Prudence, Raziel. Au-delà de ce seuil, je n'aurai plus aucun pouvoir sur toi. Destructeur, héros ou pantin. Bienvenue à Mandéroute. Découvre ton destin. Le temps est un cercle, un minuscule rouage de l'usine universelle. Il suffit d'un grain de sable introduit par le manipulateur d'une erreur infime pour plonger le monde entier dans un chaos infernal. Ist doch grün, jetzt was geschehen ist. Ist doch grün, jetzt was geschehen ist.
donc le désir.